Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le soleil qui tape sur mon visage. C'est le premier Vlogmas. Nous sommes le 1er décembre pour vous. Pour moi, c'est la veille du coup. Je me suis mise devant le sapin histoire de dire voilà, Noël, Christmas, toi-même tu sais. On vient de se lever, on a bien dormi parce qu'hier on s'est couché assez tard, il doit être 10h, un truc comme ça. Et puis c'est parti pour cette première journée des Vlogmas. Let's go! Ce matin, petit muesli de graines, voilà, graines de courge, noix, etc. Avec une poire qu'il est temps de manger. Ça va mon amour? Oh, que tu es belle, mon cœur. Bon, ça y est, j'ai troqué la queue de cheval dégueulasse contre la tignasse qui ressemble pas à grand chose, mais je crois que je préfère quand même. Je vais m'apprêter à tourner ma vidéo du coup. J'ai pris vachement de retard parce que je pensais pas que mes mails allaient durer autant de temps. En fait, je pensais avoir répondu à beaucoup plus que ça la dernière fois, et pas du tout. Donc voilà pourquoi je commence à filmer que maintenant. Faut que je me dépêche parce que le soleil commence à tomber. J'ai reçu un message de toute évidence. Bon, ça y est, la vidéo est tournée. Je vais passer au montage, il faut que je la monte dans la foulée. Parce que j'aime bien, j'aime pas trop laisser traîner les vidéos une fois qu'elles sont filmées. Donc je vais monter tout ça. Ne faites pas attention au bordel qu'il y a derrière moi. C'est une calamité, je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Voilà. Quelques cracottes qui kiffent parce qu'elles se cachent dans le bordel. Mais c'est tout. Cracotte, tu veux participer au rangement? C'est bordel! Everywhere! Oh tiens! Des collants! Encore! En fait, j'ai reçu énormément de colis il y a quelques jours, comme vous pouvez le constater. Alors, j'ai beaucoup de cartons. Et du coup, ça en vieillit assez rapidement la pièce. Donc voilà, il fallait que je mette ça au clair, j'allais dire. Mais enfin, bref, vous avez compris. Et là, Samsam est en train d'emballer les cadeaux, puisque ben, j'ai continué les cadeaux de Noël. Et que petit à petit j'essaie de les emballer au fur et à mesure pour pouvoir les avoir prêts pour le jour J. Donc on va faire ça. Je voulais aussi vous montrer ça. C'est mon calendrier de l'Avent. C'est le calendrier de l'Avent de chez Palais d'été. Il est trop stylé. En fait, c'est un calendrier où vous avez tous les jours un nouveau thé à déguster. Comme vous savez que je suis une fana de thé, eh bien ça va être l'occasion d'en découvrir certains. Donc je suis trop contente. Bon, il est 18h45, l'heure du crime. J'étais en train de commander les chaussures pour le mariage dans le hier. Du coup, j'ai trouvé ma robe, même si vous en avez pas vu énormément, mais voilà, je l'ai trouvé quand même. Et il se trouve qu'il faut quand même des chaussures. Alors je serai pas en talon pour le jour du mariage parce qu'en fait je ne vais pas tenir, clairement. J'ai envie d'être à l'aise, j'ai envie d'être confortable, et ma robe est tellement longue de toute façon qu'on ne voit pas mes chaussures. Donc j'ai envie de dire, je vais pas m'amuser en plus à avoir mal aux pieds si c'est pour pas qu'on voit mes chaussures. Donc j'étais en train de voir si je pouvais pas prendre des jolies sandales plates blanches. En plus il fera très chaud puisque ce sera en début septembre. Donc voilà, j'étais en train de regarder sur Zalando et j'ai trouvé une paire, donc je pense que je vais me la prendre. Comme ça j'aurai le temps d'essayer et de voir si elle me va pas, de la envoyer, d'en trouver d'autres. Mais je pense qu'elle va m'aller parce qu'en fait c'est une paire que j'ai dans d'autres couleurs et que j'aime beaucoup. Donc je vais m'empresser de la prendre en blanc. Et puis voilà. Je suis trop contente. Bon, voilà l'état du carnage. Ça continue encore tout là-bas. Et c'est pas fini du tout. Donc voilà, là il y a à peu près pour ma famille, quelques cadeaux pour mes amis. Là-bas il y a le swap de Juliette qui est en train d'être emballé. Et bien voilà, ça avance. Mais à mon avis, je vais pas avoir fini ce soir. Ça y est, c'est l'heure du dîner. Du coup, j'étais en train de préparer à manger parce que Samson est parti au rugby. En fait, il avait un match. Donc moi je vais faire manger. Mais à mon avis, il mangera après. Je sais pas s'il va manger de ce que j'ai fait. Je lui en garderai un peu. J'ai fait des aubergines, je vais vous montrer, parce que si je vous le dis comme ça, c'est pas très intéressant. J'ai fait du coup une aubergine revenue à la sauce soja. Et vous savez, c'est les aubergines tigrées. Je sais pas si on voit un petit peu là, genre c'est les... Voilà, elles sont tigrées. Vous pouvez le voir, c'est que cracotte. Vous pouvez le voir sur le petit truc. Mais chérie, ça se mange pas ça. C'est de l'aubergine, mon cœur. Et sinon, pour les pâtes, je vais faire ça. Les raviolis gourmets de chez Rana, tomates. Rania ou Grana? Rania, non? J'en sais rien. Tomate, mozzarella, olive concassée, je les ai jamais goûtées. Mais franchement, pour des raviolis faits comme ça, ils sont vraiment bons. Sinon, demain, je pars à Paris pour un séminaire L'Oréal. Donc, je vous emmènerai avec moi. Ce sera un petit peu plus intéressant qu'aujourd'hui, du coup. Puisque je vais intervenir pour présenter un petit peu comment ça marche. Le monde de YouTube, tout ça, tout ça. Donc ça va être plutôt cool. J'y vais pour, enfin je fais l'aller-retour, j'y vais vraiment pour 1 heure. Je prends l'avion assez tôt et je reviens en fin d'après-midi. Voilà pour ça. Et ensuite vendredi, j'ai une grosse journée de tournage. Il va falloir que je fasse des vidéos pas mal en avance. Bon bah bon appétit.
Bon, du coup, j'étais en train de regarder vos petits commentaires sur le vlog d'hier par rapport à la robe de mariée. Et vous avez été plein à me dire, mais oui, mais tu nous montres rien. Tu nous dis que tu vas nous montrer quelque chose avec le titre, mais au final, on voit rien et tout, machin. Donc, je voulais juste expliquer deux, trois petites choses. C'est évident que je ne vais pas vous montrer déjà la robe que j'ai choisie, parce que personne ne l'a vue à part Juliette et ma tante qui étaient là, qui sont mes deux témoins, et ma maman en photo. En plus de ça, celle que j'ai portée là, c'était des prototypes, comme je vous le disais hier, donc même si j'avais voulu montrer par exemple d'autres modèles, etc., ça rendait pas justice en fait à la beauté des créations. Et puis on est qu'au mois de novembre, enfin début décembre, là où vous regarderez ce vlog, mais on est que fin novembre, donc le mariage c'est en septembre de l'année prochaine. Il faut que me laisser le temps de pouvoir vous montrer d'autres petites choses et pas tout vous montrer maintenant. Donc si vraiment vraiment vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez aller sur le site de Marie Laporte, je vous le mettrai en barre d'infos, et aller voir le type de création qu'elle fait. Et je vous promets que lors du prochain essayage en mars, je vous en dirai un peu plus et je vais essayer de vous la faire deviner, voir si vous me connaissez bien. Le titre il dit la robe de mes rêves, parce que j'ai trouvé la robe de mes rêves et celle où je me suis dit oh là là c'est celle-là. Mais ça ne voulait pas dire que j'allais vous la montrer, c'est évident, c'est mon mariage, je vais pas vous montrer ma robe avant que tout le monde l'ait vue, avant que Samuel l'ait vue, etc., etc. Donc un peu de patience, soyez patients, et je vous donnerai petit à petit un peu plus de détails. Notamment, très bientôt, je vais vous montrer la décoration, tout ça, les fleurs, et là ça va être un peu plus concret. Doudou, le désespoir de voir Cracotte manger sa gamelle. Bon voilà, je suis de garde ce week-end. C'est moi qui ai récupéré la gosse. Ah, mes petits cœurs, je vais aller me coucher demain, lever très tôt puisque j'ai un taxi pour 7h30 pour partir prendre l'avion pour Paris. Voilà, j'espère que je pourrai vous emmener un peu avec moi demain. J'espère que ce premier vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à demain.